Meghan et Harry, leur fils déjà victime de racisme, la photo qui choque, le fils de Meghan Markle et du prince Harry. Premier enfant métis de la famille royale britannique, est déjà victime de racisme sur les réseaux sociaux. Un journaliste de la BBC a notamment été licencié après avoir publié une photo choquante et discriminatoire sur le Royal Baby. Le petit Archie Harrison Mountbatten Windsor a à peine 5 jours qu'il est déjà victime de racisme. Lundi 6 mai, Meghan Markle a donné naissance à son premier enfant avec le prince Harry, un petit garçon de 3,3 kg. Deux jours plus tard, le duc et la duchesse de Sussex ont présenté leur nouveau-né au monde entier, dans le château de Windsor, et se sont prêtés au jeu des premières photos officielles du bébé. Si les clichés ont ensuite été dévoilés sur le compte Instagram de Meghan Markle et du prince Harry, Kensington Palace a malheureusement dû faire face à une vague de messages racistes à l'encontre du petit garçon. Et pour cause, en plus d'être le 8e arrière-petit-enfant de la reine Elisabeth II, il est aussi le premier bébé métis de la famille royale britannique, Doria Regland, la mère de Meghan Markle, étant noire. De nombreux commentaires discriminatoires ont ainsi dû être supprimés par l'équipe de communication du couple. Il y a quelques semaines, la famille royale britannique avait déjà décidé de prendre des mesures contre ses détracteurs, en les menaçant notamment de poursuites judiciaires, en vain. Jeudi 9 mai, la chaîne de radio BBC a par ailleurs licencié l'un de ses journalistes, Danny Baker, après un tweet raciste sur le baby Sussex. Quelques heures après l'accouchement de Meghan Markle, ce dernier avait dévoilé une photo d'un couple tenant un chimpanzé par la main sur Twitter, avec en légende, le bébé royal quitte l'hôpital. S'il a supprimé le tweet puis tenté de s'excuser, le journaliste a tout de même perdu son poste. Le 6 mai, la chaîne CNN a également créé la polémique en demandant à ses lecteurs sur son site, à quel point le Royal Baby sera-t-il noir. Si la naissance du petit Archie est un véritable souffle de modernité sur la monarchie, certains préjugés ont la vie dure. De son côté, Meghan Markle, tout juste maman, a elle aussi dû faire face à son lot d'insultes. Peu après la présentation officielle de son petit garçon, la duchesse de Sussex a été qualifiée d'avide, de jalouse et de honte, sur les réseaux sociaux. En attendant, Meghan Markle et le prince Harry semblent ignorer leurs détracteurs, et se concentrent avant tout sur leur petit bonheur, Archie Harrison. Présentation du Royal Baby Archie, le compte Instagram de Meghan et Harry submergé de messages racistes depuis la naissance du Royal Baby Archie. Le compte Instagram de Meghan Markle et du prince Harry est la cible de vives insultes, parfois même racistes. Depuis le début de semaine, Meghan Markle et prince Harry sont au cœur de l'actualité dans le monde entier. Certaines d'entre elles ont dû être supprimées. Le duc et la duchesse de Sussex ont mis au monde le nouveau bébé de la famille royale britannique, et le 8e arrière-petit-enfant de la reine Elisabeth se prénomme Archie Harrison. Deux prénoms surprenants, qui poussent des centaines d'utilisateurs d'Instagram à s'en prendre violemment aux heureux parents, en enchaînant les insultes et les remarques racistes. Comme souligné par The Sun, de nombreux utilisateurs s'attaquent depuis plusieurs jours au physique de Meghan Markle. La duchesse, qui paraissait quelque peu fatiguée par son accouchement lors de la présentation officielle de son fils depuis le hall de Windsor, a notamment été qualifiée de gloutonne par un internaute. D'autres n'ont pas hésité à lui reprocher une attitude jalouse et envieuse. Aussi, quelques commentateurs ont affirmé que la duchesse de Sussex était avare.
Kensington prend des mesures inédites. D'autres commentateurs, encore plus véhéments, s'en sont directement pris aux origines de Meghan Markle. Selon The Sun, de nombreux posts polémiques ont dû être supprimés, et les utilisateurs en question ont été bloqués. Il y a quelques semaines, la famille royale britannique a pris de nouvelles mesures contre les internautes insultants, en se donnant la possibilité de les attaquer en justice. Des menaces restées vaines. BBC vire un journaliste après un tweet raciste il y a quelques heures, sur le réseau social Twitter, le post d'un journaliste de la BBC a créé la polémique, et a poussé la chaîne d'info américaine à prendre des mesures. Danny Baker n'a pas hésité à publier une photo sur laquelle deux personnes tiennent un singe par la main, tout en déclarant « le bébé royal quitte l'hôpital ». Un tweet qui a rapidement suscité la controverse, étant donné que la mère de Meghan Markle, Dory Earp, est noire. Le tweet a depuis été supprimé, et le journaliste a été renvoyé.